Même attention. Septième rencontre auxerroise du développement durable consacrée à la biodiversité. Atelier, conférence, visite, objectif affiché. Invité à la réflexion pendant 3 jours à Auxerre, mais pas seulement. Parlons-en tout de suite avec Martin Millot en direct et en duplex. Martin Millot, bonjour. Ce sont donc les 7e rencontres du développement durable sur la biodiversité. Est-ce parce que, en même temps, il y a également les Assises nationales de la biodiversité à Dijon que vous avez choisi ce thème cette année? Oui, c'est la suite logique. Oui. Vous êtes donc en partenariat oui. avec eux? Non, c'est en parallèle. C'est en parallèle, simplement. À force d'entendre parler de biodiversité, on ne sait plus trop ce que cela désigne. Pourriez-vous nous en donner une définition? Simplement, oui, c'est tout ce qui concerne la vie, donc la faune, la flore, dont nous faisons partie, simplement. C'est très, très vaste. C'est la définition basique. Hein. Oui, mais à travers ces journées, qu'est-ce que vous voulez montrer au plus grand nombre? Qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est pas vraiment une thématique pédagogique. On ouvre les bras pour faire comprendre certaines problématiques, donner des solutions, vous montrer ce qui se fait déjà. Donc c'est assez large, hein, c'est assez large. Et quelles sont les problématiques justement que vous voulez démontrer? Bah, par exemple, si on veut encore manger du miel un jour, il faut qu'il y ait forcément des abeilles. Donc il y a par exemple des thématiques sur les abeilles. Il faut que les gens comprennent que pour que nous vivions, nous, il faut laisser vivre tout ce qu'il y a autour de nous au niveau de la nature. Tout est important. Rien n'est à abandonner. Il y a eu beaucoup de dégâts de fait et il faut protéger quand même la biodiversité encore aujourd'hui et mettre plutôt chacun dans le paquet parce qu'il y a une sacrée atteinte. Il y a beaucoup de vivants et beaucoup de vivants qui disparaissent. Vous parliez justement des abeilles. Quelles actions concrètes Monsieur et Madame Tout-le-Monde peut faire en faveur de la biodiversité? Bah, tout dépend déjà, par exemple, des choix lors de l'achat en tant que consommateur, tout simplement. Il y a des produits qui impactent énormément de par leur production avec les pesticides. Ça c'est pour les abeilles, c'est le genre d'action à faire, c'est de choisir ces produits. Alors, forcément, ça dérive tout de suite sur des appellations comme le bio. C'est un peu ça, le système. Oui, et puis il y a également différents intervenants, comme Jean-Marie Pelt, botaniste, ou encore Gilles Boeuf, biologiste. Ils seront donc présents. Depuis différentes années, ils alertent justement sur ce risque face à la biodiversité et notre comportement. Ça fait à peu près une quarantaine d'années, un petit peu moins, qu'on entend, qu'on parle du mot « biodiversité ». Donc ce sont c'est un mot un peu nouveau pour beaucoup de gens. Par contre, c'est un mot qui est hélas détourné, comme le développement durable ou la thématique de l'environnement en général. Donc régulièrement, il faut remettre le sujet sur le tapis, démontrer ce qui se fait dans le domaine. C'est d'où l'action encore des RAD cette année. Normalement, c'est un petit peu comme les Restos du Cœur. Normalement, on ne devrait pas avoir à faire ce genre d'événement. C'est des évidences, mais comme l'industrie, les services n'hésitent pas à prendre un peu trop de l'avant, ben on est obligé de revenir sur le béaba, le terre-à-terre, et d'expliquer que nous faisons partie de la nature et que si on l'attaque un petit peu de trop, ben à un moment donné, on va avoir nous-mêmes des problèmes de santé, par exemple. Oui, et puis il y a également vous inviter à la réflexion et aussi au concret en invitant la population à travers des découvertes de serres municipales ou encore des visites de ruches, c'est cela? Oui, il y a plusieurs visites. Alors ça, c'est le vendredi après-midi. Le matin, il y a des conférences avec les jeunes de collège et de lycée. Alors, il y a plusieurs thématiques. Hein. Ça va même jusqu'à la restauration scolaire.
On peut visiter par exemple les restaurants scolaires. Il y a une nouvelle jazette qui s'est créée sur Auxerre, qui est un petit restaurant très, très typé, attention à l'environnement. Le samedi, le lendemain, alors ça c'est pour le vendredi. Hein. Ce soir, par exemple, il y a aussi un film, Il était une fois la forêt. Et le samedi, le lendemain, il y a la foire à la biodiversité. Donc avec des exposants sur un petit peu toutes les thématiques et également des grandes conférences. Alors en tout, il y a une conférence le vendredi soir et trois conférences le vendredi. Oui, il y a donc des conférences, des ateliers. Merci beaucoup. Donc je rappelle que les rencontres auxerroises du développement durable, c'est jusqu'à samedi à Auxerre. Merci à vous.